Mitsuyu Maeda, élève de Jigoro Kano, le fondateur du judo, partit en 1904 aux États-Unis d'Amérique pour faire la démonstration de cette nouvelle discipline en affrontant des lutteurs. Plusieurs années plus tard, durant ses séjours au Brésil, il participa à des combats de lutte libre des Valetudo pour montrer la supériorité de son dojo et pour gagner un peu d'argent. Durant cette période, il fut aidé par Gastão Grassi, descendant d'une famille écossaise. En remerciement, il enseigna l'art du judo et du jiu-jitsu à son fils, Carlos Grassi, qui l'enseigna à son tour à ses frères. Elio Grassi était justement l'un des frères de Carlos, mais le médecin lui avait déconseillé de pratiquer en raison de sa santé fragile, et il se contentait donc de regarder et d'écouter l'enseignement de son frère. À l'âge de 16 ans, il remplaça Carlos lors d'un cours en se servant de ce qu'il avait mémorisé. Il commença ainsi la pratique du jujitsu, mais repensa le jujitsu traditionnel avec l'esprit brésilien et adapta les mouvements à sa propre physionomie, étant de petit gabarit. Il créa ainsi un art martial propre, le jujitsu brésilien. Pour finir, il faut savoir qu'Elio Grassi est le père d'une lignée de combattants incroyables, dont Royce Grassi, qui remporta le premier UFC, marquant l'avènement du JJB face aux autres styles d'arts martiaux. On peut dire que les Grassi ont fait la renommée du JJB dans le sang, la sueur et les larmes. Yosh, j'en profite pour vous présenter Touch, un manga réalisé par Tetsuya Saruwatari et édité chez Tonkam. C'est un manga qui met en avant le jiu-jitsu brésilien et excusez-moi pour la prononciation. Il raconte l'histoire du jeune Kiichi Miyazawa, surnommé Kibo, qui apprend l'art du Nadashin Kage avec son père depuis sa tendre enfance. Le Nadashin Kage est un art martial créé de toutes pièces par l'auteur qui reprend les grands principes des techniques de vie ou de mort des arts japonais. En soi, c'est un art martial qui s'inspire des autres arts pour se peaufiner. Pendant tout le long de l'histoire, on verra Kibo s'entraîner de différentes manières. Entraîner son corps physiquement, entraîner son ki grâce à des techniques de respiration, ou encore s'entraîner à comprendre le corps grâce à son père pour acquérir les techniques d'acupuncture de son clan. Connaître le corps humain est très important pour un combattant. Ce manga ne raconte pas seulement l'histoire de Kibo affrontant un tas d'ennemis tout le temps. Il raconte aussi l'histoire d'un père qui apprend à son fils à devenir un adulte et aussi à devenir le futur chef de la 15e génération du Nadashin Kage. Ce jeune adulte que vous pourrez retrouver dans la suite avec Free Fight. Mais là, vous allez dire, il est où le JJB dans ce manga, vu que le héros maîtrise un art martial qui est totalement différent et qui n'existe même pas. C'est très simple, le manga tourne autour des combats de rue et du Valetudo. Et on sait très bien que tout combat qui commence debout finit à 90% au sol. Et c'est dans ces cas-là qu'on voit apparaître des techniques de soumission. Donc, je vous le demande, quel meilleur sport de combat dans le domaine de la soumission que le JJB? Donc salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Sébastien, 22 ans, informaticien. Non, un peu plus, 42. Tu as feuilleté un petit peu le manga Taos. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc je suis pas un grand expert en manga, hein. J'ai pas la culture manga, par contre j'ai la culture japonaise. Donc on a retrouvé quand même les codes, on va dire, classiques du manga et de choses comme quand j'étais gamin, il y avait un dessin animé qui s'appelait Ken le survivant. Donc j'ai retrouvé un peu cette ambiance des coups magiques en fait. Ouais. Dans la BD que j'ai lue, il y avait une technique où le gars prend le dos, vient glisser les mains dans la cage thoracique et puis pendant le combat il arrache tout. Donc ça m'a clairement fait penser à Ken le survivant et à tous ces mangas qui passaient à la télé quand j'étais gamin. Et donc c'est le côté le côté fantastique du manga, quand même un peu violent, mais à côté de ça il y avait des échanges techniques dans la BD, des clés de poignet, clés de cheville, clés de coude, qui étaient super crédibles. Et je pense que le gars a dû aller dans des clubs de jujitsu ou de lutte libre et faire des photos et dessiner à partir de ça, parce qu'on cherche les bras, les jambes, tout est en place. Donc de ce côté là c'est intéressant de voir des choses crédibles dans une BD. Déjà au cinéma c'est pas souvent, dans une BD c'est carrément exceptionnel. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Philippe, et je fais du JJB depuis 3 ans. Tu as un petit peu feuilleté très rapidement
un manga. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que les arts martiaux peuvent être bien retranscrits sur ce type de média, ce type d'œuvre, ce type de support? Est-ce que ça peut donner envie à des gens de se mettre ce style de sport? Je pense que lire ce type de livre, effectivement, tous les jeunes peuvent arriver à aimer, à comprendre un peu plus le JJB, le MMA, le respect de l'un et de l'autre. Apparemment, c'est quelque chose qu'on peut. C'est un support qui peut effectivement être intéressant. Voilà. Pour les jeunes. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans et ça fait 4 ans que j'ai commencé le jujitsu. Tu as à peine feuilleté un manga, est-ce que toi de base tu as une culture du manga ou pas du tout? Oui, j'ai une grosse culture manga où j'ai commencé avec DBZ, j'ai enchaîné sur Bleach, One Piece. Ah bon, enfin on en a une, hein, c'est ça. Et du coup, toi qui t'y connais un petit peu en manga, est-ce que tu penses que, on parlait de Prince of Tennis, mais que ce soit des mangas qui parlent de passion, que ce soit le tennis, le basket avec Kurokono Basket, ou même Touts avec le sport de combat en général, est-ce que tu penses que ça peut donner Clairement, en fait, pour que ça donne envie, faut, je pense, être vraiment immergé dans le manga et que tu aies vraiment l'ouverture d'esprit avec ça, quoi. Par exemple, moi, je sais que Prince du Tennis, bon, après, moi, j'ai mes antérieurs où j'aime pas trop le tennis, mais il m'a quand même donné envie de faire du tennis, ce manga, même si c'était n'importe quoi. Oui, hein, c'est n'importe quoi, mais il est quand même super bien, le manga. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air fun quand même. Ça peut toucher des gens, franchement, mais après, moi, j'avoue que c'est à cause des mangas que je voulais faire du MMA. Ah oui? Et quel manga? Mais tous ceux où ils se battaient, genre Naruto, j'étais... Oh, moi aussi je veux savoir me battre. Ah oui, bah, tu veux dire que Naruto fait Rasengan et là tu t'es dit, je vais faire du MMA? Ouais. Non mais quand ils se battent, mais non mais c'est pas qu'avec son Rasengan. Oui, non, bien sûr. En plus de ça, dans Touch, le JJB est vachement mis en avant. Plus d'un tiers du manga tourne autour de cet art. Les références sont présentes avec les frères Gracie ou encore le grand tournoi d'arts martiaux où Kibo participe qui fait référence à l'UFC 1 où Royce Gracie marque l'événement de la victoire du JJB sur les autres arts martiaux. Et tout comme dans le manga, le tournoi n'avait aucune règle, à part ne pas mettre les doigts dans les yeux et ne pas mordre. L'arbitre avait pas grand chose à faire. Dans Touch, il ne sera pas rare de voir le héros se démener pour gagner ses combats avec une clé de cheville ou une petite clé de bras. Tout en passant par les techniques à la volée, les tacles ou encore les soumissions, l'éventail des techniques du JJB seront mis en avant. Et c'est pour ça que je trouvais l'association de Touch au JJB assez cohérente. Et c'est quoi la particularité du jiu-jitsu brésilien par rapport à d'autres arts martiaux? La plus grosse partie du combat va s'effectuer au sol. Donc les combats en compétition partent debout. Donc on va retrouver les techniques de judo ou de lutte pour les projections, les emmener au sol. Mais contrairement au judo, où si on immobilise son adversaire quelques secondes au sol, le combat est gagné s'il arrive sur le dos. Nous, le combat va continuer au sol et le combat sera gagné soit par soumission, donc abandon d'une des deux personnes, soit au total des points cumulés sur l'ensemble du combat. Chaque technique rapporte des points, l'emmener au sol rapporte des points, les positions dominantes rapportent des points et celui qui a le plus de points gagnera le combat. Les combats peuvent durer jusqu'à 10 minutes, un round de 10 minutes en fait. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais du jiu-jitsu brésilien? J'approche la 15e année. D'accord. Et j'avais fait d'autres arts martiaux auparavant. Et tu as tout arrêté pour continuer juste celui-là ou... Je faisais du kempo traditionnel. Et avec Emmanuel Fernandez, qui était également un pratiquant de cette discipline-là. Et lui, s'est orienté 100% sur le MMA et le jiu-jitsu brésilien. Et peu de temps après, je l'ai rejoint. Mon premier cours de jiu-jitsu brésilien, je me suis fait laminer. Je me suis vraiment fait plier. Et le lendemain, du coup, je me suis posé la question. J'étais déjà ceinture noire d'une autre discipline. Et m'être fait à ce point plier en deux, du coup, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et j'ai mis une ceinture blanche. On a remis le compteur à zéro. Et c'est comme ça que je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien. Parce que je me suis dit... Malgré une ceinture noire, se faire autant contrôler, dominer, je me suis dit, il y a quelque chose en plus là-bas. Donc on va aller voir là-bas. Et moi, j'ai toujours voulu faire du MMA. Donc en fait, j'avais trouvé l'académie Pythagore qui fait aussi le MMA ici. Et après, au MMA, il faut aussi une partie sol. Ils m'ont dit, va au Jiu-Jitsu, tu verras, ça va développer ta partie sol. Et du coup, j'y suis allé et je suis resté et je suis pas retourné au MMA. Ah, ouais, donc. Pour moi, c'est simple. J'ai pratiqué d'autres formes d'art martial. Moi, j'ai eu Muay Thai, boxe anglaise,
Moi, c'était trop brut pour moi. Je recherchais de la finesse. Et le jiu-jitsu, c'est quelque chose de très fin. Voilà, il faut être posé, parce que si on est trop bourrin sur quelqu'un qui est plus mec que nous et plus technique, on va s'épuiser. Bon, Iden, je vois que tu bloques, alors je viens poser quelques questions. Ah, vas-y, tu peux venir. Je vais poser des questions là. Ok, il n'y a aucun problème. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais du JJB? Ça va faire 8 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? Et bah, c'est. Ce principe de contrôler sans forcément faire mal. Dans mon métier, ça m'importe beaucoup. Les passages comme celui-là, par exemple. Je suis fonctionnaire de police à la BAC Jour d'Angoulême. Donc, je peux faire mon travail sans forcément faire de mal aux individus. Et en plus de ça, c'est un sport extraordinaire. Bon esprit. Et surtout dans mon équipe, Pythagore. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des grades dans le jiu-jitsu brésilien? Alors, c'est un peu particulier. C'est une des disciplines où l'évolution est la plus lente. C'est pas rare de rester 3-4 ans avec la même couleur, parce qu'il y a des choses à acquérir petit à petit, et les gens vont mettre plus ou moins de temps à acquérir en fonction du nombre d'heures d'entraînement par semaine et de l'implication des gens. Il faut compter entre 10 à 12 ans pour avoir une ceinture noire. Là où dans d'autres sports de combat, en 3-4 ans, on peut déjà être ceinture noire. Donc l'évolution est très lente. Ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture violette, ceinture marron, ceinture noire. C'est assez difficile d'avoir une ceinture noire sans avoir eu d'expérience en compétition, puisque ben, c'est là où c'est révélateur de on a compris, on n'a pas compris, ça marche ou ça marche pas. Donc la compétition, même si elle n'est pas indispensable, est quand même très, très recommandée. C'est une expérience nécessaire, de mon point de vue, pour l'évolution. Mais oui, quelqu'un qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien a plus de 10 ans d'expérience. Et quelqu'un qui va être ceinture bleue a déjà 3-4 ans d'expérience, là où dans d'autres sports, il aurait pu être déjà ceinture noire. Donc, croiser une ceinture bleue du jiu-jitsu brésilien, déjà, soyez pas naïf, il a déjà quelques années d'expérience. Ouais, le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui n'est pas très connu en France et qui mérite d'être découvert. Donc j'invite tous les gens qui vont voir cette vidéo à venir dans les clubs de jiu-jitsu. Venez, essayez. Honnêtement, il y a moyen de s'amuser en apprenant un sport de combat. Il y a vraiment une vraie ambiance, un sport ludique qui n'est pas très connu. Donc venez, faites-vous une idée, foncez dans les clubs et allez voir ce que ça donne. Du coup, pour ceux qui aimeraient faire du JJB, je leur conseille de rejoindre l'académie Pythagore. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné un max de thunes! Pas du tout. Mais en vrai, ils m'ont donné beaucoup plus. Et je vais vous dire la vraie raison. L'académie Pythagore, c'est 27 clubs à ce jour un peu partout en France et dans les dom-toms, ainsi que des parrainages avec Rio et maître Ricardo de la Riva, le maître de Emmanuel. L'académie a aussi des parrainages avec USA Californie, San Diego, avec Clark Grassi, petit-fils de Helio et ami de Julien et Hugo. Et pour finir, je remercie Hugo, le prof d'Angoulême, de m'avoir accueilli dans cette grande famille. Au Japon, les histoires de Kibo continuent toujours et j'espère qu'elles arriveront un jour en France. J'espère que les fans du manga s'intéresseront un peu plus au JJB et à l'histoire qu'il y a derrière. Et j'espère que pour les pratiquants de JJB, ils s'intéresseront peut-être au manga. Et même les pratiquants de MMA pourraient s'y intéresser parce qu'on parle énormément aussi de MMA dans Touch. Attention, le manga est très violent et peut peut-être dissuader certaines personnes de se lancer dans le combat libre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura ouvert l'esprit un peu plus sur le manga ou sur le JJB. Je remercie énormément l'Académie Pythagore de m'avoir accueilli. On se retrouve bientôt sur MangaCorp pour une nouvelle vidéo. Yosh !